Bonjour, je m'appelle Mario Désérable, président et cofondateur de Tetradis. J'ai l'honneur de vous accueillir dans nos locaux de Saint-Quentin-Fallavier. Je suis très heureux de vous ouvrir les portes de notre site de Saint-Quentin-Fallavier. Outre la supply chain et la logistique, ce site rassemble les activités de R&D, bureau d'études, production et tertiaire. Notre mission est de concevoir, fabriquer et commercialiser des produits de qualité avec l'empreinte carbone la plus faible possible. Ces solutions sont destinées principalement au marché de déploiement des réseaux fibre optique et informatique, à la production d'énergie décarbonée et à améliorer la mobilité verte grâce aux bornes de recharge pour véhicules électriques. Ce qui fait la singularité de Tetradis est avant tout la multitude des métiers et compétences présentes sur un même site, autour de valeurs de confiance et d'engagement qu'incarnent les femmes et les hommes qui m'accompagnent. Tetradis en trois points, c'est 37 millions d'euros de chiffre d'affaires, une commercialisation vers 35 pays et territoires d'outre-mer, mais surtout un groupe de 70 personnes engagées au service d'une croissance durable. Bonjour, je suis Sabrina Givaudan, directrice opérationnelle de Tetradis. Je m'occupe de la partie comptabilité, finance, RH, process et opérationnel de l'entreprise. J'y travaille depuis 17 ans et cette ancienneté me permet aujourd'hui d'avoir une vision globale de l'entreprise. Nous véhiculons les valeurs qui nous sont chères, la bienveillance, la confiance et le respect dans toutes les décisions et actions qui sont menées. C'est grâce à ces valeurs, partagées dans l'ensemble des services, que nous performons depuis des années avec toujours le même objectif, celui de satisfaire nos clients. Il y a 2 ans, nous avons mis en place la GPEC, Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ce qui nous permet d'avoir une base solide d'évaluation des savoir-faire, de proposer des formations adéquates et davantage d'évolution en interne. Nous avons à cœur de faciliter le travail des équipes et nous avons, au fil des années, installé des outils de gestion nous permettant de valoriser les compétences de nos collaborateurs et d'optimiser les process internes. Des événements conviviaux sont organisés régulièrement avec toutes les équipes chez Tetradis. Ils peuvent prendre différentes formes, un repas d'entreprise, un challenge d'été, des activités associées à la semaine du sport. La cohésion de groupe et la bonne humeur sont très importantes et c'est ce que l'on cherche à maintenir avec la croissance des effectifs. Nous sommes une PME à taille humaine et nous souhaitons conserver ces valeurs. Bonjour, je suis François Laurenceau, directeur Supply Chain. Cette équipe regroupe les services logistiques, production et exploitation et compte environ 25 collaborateurs. Je vous laisse la découvrir. Notre mission est la gestion opérationnelle des flux de matières au sein de Tetradis, ainsi que l'exploitation et la maintenance des solutions déployées sur le terrain. Les équipes sont donc composées de personnel sédentaire en logistique et en production et d'équipes terrain dont le métier est d'intervenir pour réaliser des opérations de maintenance, de SAV et d'amélioration de nos systèmes. Nous avons récemment initié la mise en place d'un système de gestion de production intégré à notre ERP, nous permettant une gestion optimale des approvisionnements des composants utilisés dans nos produits manufacturés, afin de garantir le délai de livraison client. Ce projet est une première étape. En 2023, un outil d'optimisation des flux logistiques sera déployé. Ce logiciel permettra, à l'aide de code-barres, de faciliter pour les opérateurs l'accès aux réceptions et préparations des produits. Il affectera les emplacements de façon dynamique pour une plus grande souplesse de gestion. Nous avons entre 400 et 600 ordres de fabrication actifs dans notre système qui matérialisent l'intensité de notre activité de production. Les solutions déployées sur le terrain nécessitent des compétences particulières et un goût pour ce que j'appellerais l'aventure. En effet, les systèmes déployés sont souvent dans des lieux isolés où il faut avoir des qualités d'autonomie et d'ingéniosité. Même si les compétences dans ces métiers sont variées et spécifiques, nous favorisons la polyvalence des collaborateurs afin de s'adapter aux variations d'activité et de permettre une meilleure compréhension des enjeux des différents services en interne.
Bonjour, je m'appelle Jennifer Moret, je suis responsable d'exploitation logistique au sein de Tetradis. Notre équipe est composée au total de 8 personnes avec une mixité femmes-hommes. Nous traitons les flux entrants et sortants de l'entreprise, en moyenne 550 réceptions et plus de 1000 commandes clients par mois. Les marchandises et produits finis vont du petit sachet d'écrou à des bornes hybrides intelligentes de plusieurs centaines de kilos, offrant ainsi une multitude de méthodes de travail. Notre activité est très variée puisque nous proposons de la découpe de fibres au métrage selon les besoins de nos clients. Nous approvisionnons et stockons des produits finis et également tous les composants dédiés aux fabrications Tetradis produites ici, sur notre site de Saint-Quentin-Fallavier. Notre but est de satisfaire nos clients tout en restant attentifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail de nos collaborateurs. C'est pourquoi nous formons les salariés à tous les risques sécuritaires et préventifs, comme les formations incendie et secouristes du travail. Un DAE a récemment été installé dans nos locaux et peut en cas d'urgence être utilisé par d'autres entreprises voisines. En parallèle, un entretien régulier de la plateforme et du matériel de manutention est mené. Toutes ces actions nous permettent aujourd'hui d'afficher clairement un pourcentage très bas d'accidents de travail. Afin de prévenir tout risque de TMS, nous avons créé des postes de travail plus adaptés en réutilisant d'anciennes étagères de stockage qui auraient été jetées. Cette démarche de réemploi est mise en œuvre aussi souvent que possible et fait écho à notre engagement RSE. Convaincus que l'exercice de nos activités doit intégrer le respect de la planète, nous valorisons depuis 20 ans le tissu industriel local et favorisons l'emploi de proximité et l'inclusion. Nos brevets en matière d'efficience énergétique, la mutation de notre flotte de véhicules, ainsi que l'ambition de création d'une filière télécom autour du réemploi, traduisent de notre volonté d'accompagner les objectifs de réduction des émissions de CO2. Après avoir publié notre premier rapport RSE, le groupe Newbuntu, intégrant les activités de Tetradis, d'ingénierie et de consulting, s'engage sous vos yeux dans la signature d'un partenariat avec la Convention des entreprises pour le climat. Pour laisser une Terre à nos enfants plus belle que nous la connaissons aujourd'hui, connectons-nous grâce à une énergie décarbonée et prenons le chemin du pas solidaire.